Allez, on va les voir. Vous êtes chaud? Yep. On est chaud, let's go. Ouais, ouais. Oh ouais, putain, la vache, les mecs ont l'air vachement chaud, quoi. Vous allez les défoncer ou quoi? Il y a Mary en face. Franchement, faites-moi plaisir, défoncez-le, les gars. Il ouvre trop sa gueule. Ah bah écoute, on verra bien. Ok, ça marche. Non, franchement, vous avez... Eh, vous avez l'air d'avoir la banane et ça, ça fait plaisir, les mecs. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Allez, tac, bim, bam, boum. Les noms des équipes, les gars, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi des noms d'équipes de ouf. Nom de team, mycose vaginale. Vasectomie. Ah, on reste dans le domaine médical, j'aime bien, on est dans la sémantique. Vasectomie contre mycose vaginale. on est bon les mecs, on est bon. J'en ai pas un cil aussi. Ok. 5 secondes to go. Bon, on va mettre visiblement du côté de virus, on va mettre des miras à des endroits qui sont intelligents, intéressants. Moi ça me va. Et derrière, tranquille, Galan qui a dû prendre une information sur une caméra, il a fait le décalage au niveau du balcon. Le move le plus simple de l'histoire de ce jeu sur consulat. Y a smoke colimaçon. Tranquille, alors que Galan est en train de tout balancer derrière, Ninja Strike vient de se prendre un C4 au niveau de la prémolaire gauche. Oh, tranquille, hein, on le vient pas le jouer hein. Pour le moment en tout cas, moi j'ai envie de lui dire c'est pas mal parce qu'il a quand même mis en tout cas les Mira au bon endroit. Et derrière il va prendre les informations puisqu'on vient pas l'emmerder. Pourquoi est-ce qu'il serait chier? Il va même prendre l'information qu'il y a quelqu'un ici sur la voiture. Bon, il a pas grand chose à se mettre sous la dent mais je peux vous dire que c'est pas dégueulasse ce qu'il fait quoi. Bon, en revanche c'est bon quoi, c'était pas non plus Valérie D'Amido mec hein. Il y a un moment faut arrêter de faire des trucs. C'est pas le gameplay le plus passionnant, on va pas se mentir hein. La Mira à cet endroit là, personne vient le faire chier. Il y a un moment faut rotate hein. Tu vas pas rester là 3 heures. Hein. Ah, derrière, ça se fait complètement décimer au niveau de l'attaque. Franchement, je vais passer sur le cap Tao. Ouais, ok, d'accord. Bon, allez, on va passer sur le Vasco. Oh, dommage! Il manquait de luminosité, à mon avis. Il manquait de gamma, Vasco. Ouais, je suis plutôt fier de celle-là. Hein. De gamin, le genre de football quand même. Ah! Et on n'a rien vu du coup, mais le Mira, on peut pas noter sur ça, mais on peut quand même noter sur le fait que, allez, on va mettre un 13-14 sur 20 sur le fait que les Mira étaient mises au bon endroit et que c'est bien de mettre ces Mira au bon endroit sur une map comme celle-ci où les Mira peuvent être très très intéressantes. Donc s'il était en ranked, eh bien on pourrait dire que c'est un bon joueur en tout cas. Hein, en tout cas, qu'il est sympa. Bien joué. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se fait quand même. Au lieu de commenter juste les joueurs, on peut aussi commenter ce qui se fait au niveau des renforts, etc. On ne prend pas de Mira. On le voit en ce moment, hein, de plus en plus de ne pas prendre la Mira. On a joué le... On joue le Kaïd. On a électrifié ce petit truc là pour faire chier les drones. Pourquoi pas, c'est marrant, hein. C'est pas con d'ailleurs. C'est pas si con. Bon, il y a un Thatcher en face, donc ça va pas tenir longtemps. Mais on pourrait... Ouais, on est obligé d'utiliser un Thatcher à cet endroit là. Ce qui est pas con. En soi, score des. Dis-moi si je me le rappelle. Oh là, c'est con d'avoir loupé son premier punch. Parce que derrière l'autre, il va avoir la ligne. Oh, heureusement qu'il a enlevé sa ligne. Parce qu'autrement, c'était une tête pour toi, mon petit Twitch. Hein. Là, t'étais mort. Les attaquants se font saucer. Parce que Gamma était un navigateur. Non, sans déconner, pas de quoi. C'est une blague. Bon, tu sais, quand je fais des blagues en disant c'est un joueur de foot, c'est une plaisanterie. Je sais bien. Oh, le bruit d'un kitchen. Vous entendez bien? On va passer sur les défenseurs, au moins on aura plus de kills. Hein, parce que là, c'est en train de se faire soulever complètement. Et voilà, la Twitch, comme d'hab, le dernier personnage à mourir, toujours Twitch et Montagne. Les deux du GIG. Ah ouais, c'est dommage de pas être allé prendre une petite revenge, d'être allé avec un de tes potes. Tes Twitch lui ont servi à rien du tout. Voilà, tu viens de te donner ta position. T'as 35 secondes, donc faut que t'ailles mettre des kills. Là, faut que tu fasses 3 kills. Oh non, please, pas les décos, c'est relou ça. Galan a crash. Mais 26 secondes, qu'est-ce qui va se passer, poulet? Allez, faut que tu y ailles, faut que tu swing là, hein, parce qu'autrement il va y avoir 15 secondes et c'est là que tu vas commencer à bouger parce que tu vas entendre le 15 secondes. 15 secondes. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, je meurs.
Dommage de la part de notre cher Vasco, mais Vasco va prendre la note de 9 sur 20. Watch X-Tromizer. Ok, X-Tromizer. On m'a demandé de watch X-Tromizer. Je vais... Non, pas les attaquants, ils se font soulever là. Pff, donnez-moi un défenseur, un nom de défenseur. Ah, ils se font soulever, X-Tromizer. Bon, allez, vas-y, je vais sur X-Tromizer. Je te jure, s'il fait pas un kill, il a fait combien de kills? 1. Ouais. Derrière, on a sorti l'IQ. Ça, j'aime bien. IQ, Consula, Valkyrie. C'est quand même des trucs qui vont très bien ensemble. On a mis ses petites caméras de Valkyrie, on a voulu faire un spawn kill et on s'est fait sécher. Bien joué de la part de Ninja qui s'est pas fait niquer. Et d'un autre côté, bien joué de l'avoir de la volonté de je voulais faire qui? Pardon, ils sont laser. Bien joué de la part de la défense qui gagne 2-0 et qui voit que ça peut passer, de faire un spawn kill. Derrière, les attaquants sont en train de se réveiller, c'est bien. Forcément, on gagne 2-0 du côté de la défense et on se donne un petit peu, normal. A voir maintenant si les trois défenseurs vont réussir à mettre ce round. Parce qu'au niveau de la qualité du jeu qu'on a vu, les trois défenseurs sont tout à fait capables de le mettre. Ils peuvent le faire. D'accord. Oui. Ok. Très bien. Ok. Oui, alors ça ne le refaites pas, hein. Ça sert à rien. Oh, Sentinel qui fait le kill. On prend la formation avec quelqu'un dans l'escalier jaune et c'est le dernier en plus. Non, tu peux pas sauter là. Tu peux pas sauter là, tu peux pas faire ça non plus. Non, arrête tout de suite. Du coup, on va essayer peut-être de jouer l'objectif. Bah ouais, si on a isolé un mec. Ou alors, à la limite, avoir la coupe au niveau du connecteur, ce qui est pas con. Ce qui est pas con. Mais derrière, à mon avis, le mec va être au niveau de l'escalade jaune. Et il va jouer au niveau de l'escalade jaune. Donc, fond de l'escalade jaune. La petite caméra de Valkyrie à droite, tu l'as pas vue, mon petit X-Tromizer? C'est quand même bien con. Parce qu'elle était quand même bien visible, cette caméra de Valkyrie. Chut. Ah. Bon, rien d'exceptionnel sur X-Tromizer, hein. Dommage qu'on soit pas parti sur le Blackbird, je peux pas vraiment noter ça. Propre. Putain, double kill de la part de Valkyrie, de la part de Mary, sur son Sledge, ou Toucher, Sledge, je crois, Sledge. Bien joué. Ouf. Imagine, il mettait one tap, ça aurait été magnifique. Allez, Vasco qui fait le kill derrière sur Red Bull, Virus qui arrive à prendre la revenge sur Ninja. Ouais, oh dommage, le flic a failli passer. Ouais, derrière, bon bah voilà, on se fait sécher en revanche de la part de Fazo. C'est vraiment con de passer à cet endroit là quoi. La fenêtre est ouverte, c'est là, il y a une grande ligne sur laquelle il faut pas passer. Là, il vient de passer en plein milieu, surtout quand c'est un Blackburn. On le savait que c'était un Blackburn. Et ouais, derrière, on se fait sécher. Oh, le pré-shot, dommage, ça connecte pas. Et derrière, c'est en train de dérouler. Attention quand même, Galahan qui va peut-être faire la revenge. Et non, derrière la revenge, justement, elle arrive et c'est X-Tromizer qui l'a fait. C'est allé très très vite sur la fin. Dommage de la part de la défense. Castle, pareil. Est-ce que c'est vraiment l'endroit où on a envie de jouer un Castle à cet endroit-là? On joue sur un UMP 45, on n'a pas forcément envie de prendre des lignes, quoi. Tu vois, c'est plus un opérateur qu'on va jouer sur le. Ouais, surtout quand on a le réflexe, quoi. On aurait pu aller au contact, jouer au niveau des toilettes pour aller faire chier les gens qui sont au niveau de l'escable jaune, pardon. Bon, difficile de noter une fois de plus, hein. C'est extrêmement compliqué de noter parce qu'on n'a pas vu grand chose. Mais je vais mettre une note de 12 à 13 sur 20. Supra met 11. Ok, très bien. Bon, bah si tu mets 11, on met 11 alors. Hein. J'ai là un rook avec un drapeau bleu-blanc-rouge, j'aime bien. On prépare des fenêtres, pourquoi? Pour sauter, alors qu'on n'a même pas fait un trou de balle. Un trou de balle dans chaque fenêtre, putain, pour avoir le son, quoi. Ok, viens de poser Samira. Oh là là. Elle a une rota. Tu testes pas Dokkaibi, mec, t'es fou toi. Parce que là, mis à part attendre que les attaquants arrivent, une fois de plus, on n'est pas dans une logique, comme je vous le disais tout à l'heure, de poumons qui respirent, ok. Là, on est déjà atrophié, on est déjà quasiment sur le site. Et là, on va voir ses défenseurs, ses potes, se faire avoir les uns après les autres. Aucune logique de revenge là-dessus. Allez, première à la limite prise de risque. On est sur un rook, hein. il faut prendre des lignes, hein, il y a un moment. Ouais, si on avait l'information, si on avait tiré dans les fenêtres à droite, on saurait qu'il y a des mecs au niveau du balcon. Oh, il y a des mecs au niveau du balcon. Bah ouais, mec. Et tu peux les jouer par la fenêtre qui est à droite. Bon, on te fait sonner en plus, ça c'est pas sympa. Allez, enlève ton truc, c'est rentré sur le site, Mauvaise décale, on ouvre tout, etc. Alors qu'on attend le dernier round. Oh, je suis désolé, mon petit loup, mais je te mets la note de 8 sur 20. Et derrière, il ne reste plus que Galahan qui va peut-être le faire. Allez, Galahan, ça va être compliqué. T'as ton shotgun, tu peux envoyer une information. Non, le pré-shot de la part de Mary à travers le mur. L'énorme wall tap de la part de Mary, on va le voir. Bam, 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 bam. Bam, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est bien. Bien joué de la part de l'attaque. Eh, il se prenait 2-0 l'attaque là, et il remonte, hein. 3-2.
bien joué, mais malheureusement là de la part de la défense et en particulier de la part du Rook, non, une fois de plus on n'est pas dans une logique où on va aller chercher les informations et on revient à la limite sur le site quoi. Si on reste directement sur le site, bah on s'expose à de la merde quoi. Il faut être un peu agressif quoi, autrement c'est terminé. On laisse faire ce que l'attaque a envie qu'on fasse. Faites toujours en attaque ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse en défense. Faites toujours en défense ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse en attaque. C'est tout. Qu'est-ce que j'aime pas qu'on me fasse en attaque, moi ? Bah, qu'on punch dans toutes les fenêtres de consulat, par exemple. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des spawn kills. Ça m'emmerde. Donc, il faut le faire en défense. Qu'on vienne me pré-shot à la limite sur un spawn kill. Mais genre, pré-shot pas. J'attends 3 heures à ma fenêtre et je me suis fait droner. Non. Un petit pré-shot, hop, juste pour te dire je suis là à la fenêtre, je suis agressif. Ok, très bien. Derrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quand je suis en rappel, faut pas me laisser rentrer. Donc faut pas me laisser rentrer surtout au niveau de l'open space. Si on prend l'open space, après on laisse tomber le bomb site. Parce qu'après ça va dérouler. Ça va être open space, cimetière, cercueil, cafétéria, on va pouvoir ouvrir, etc. C'est toujours les mêmes schémas. Allez, hop là. Ouais, déjà là on est déjà plus dans une logique. Bon, ce qui est relou c'est le castle. Tu l'as vu ? Voilà, c'est bien, tu l'avais vu bien sûr, le petit drone. Et derrière, tout de suite, regardez, d'abord, on est plus déjà dans une logique de poumon qui respire. On empêche les mecs, avant de rentrer sur le bomb site, on les empêche de rentrer où ? Dans la pièce qui est avant le bomb site. Et avant de les laisser rentrer dans la pièce qui est avant le bomb site, on les empêche de rentrer sur la map, tout simplement, dans notre truc. On les fait chier, on casse 2-3 drones, on revient. Il faut être dans une logique de je reviens, en comme ça. Hein, tranquille. Bon, malheureusement c'est pas là que l'action est en train de se passer. C'est un peu dommage. Oh, la petite prise de ligne là, on l'a bien aimé. On a mis sa tête, enlevé sa tête. Même si au niveau du crosshair placement c'est un peu bas quand même. Mais on est pas trop mal. Oh, et on a l'info, c'est en haut. Oh, dommage. Allez, cancel. Et va te soigner. Voilà, va te soigner. Soigne-toi. T'es un doc, pourquoi tu voudrais te gérer? Tu vas être vénère. Voilà, c'est ça qu'on veut, le loup. Vas-y, tranquille. Et envoie-lui bien le bruit, là. Ça, il aime pas l'attaquant, savoir qu'il vient de te prendre un avantage. Oh non, c'est un doc. Il vient de se revive. Et derrière, en plus, il est en train de faire le café. On va passer sur phase. Très bien, c'est bien fait, l'attaquant. Et boum, c'est bien terminé sur ça. Bon, c'est pas mal de la part de Sentinel, on n'a pas vu assez de choses, mais ça joue bien quand même, ça joue bien. Oh, et là c'est très très propre, ça c'est très très propre. Rien que pour la fin, etc., le fait qu'il ait give up, qu'il se soit barré, qu'il ait compris tout de suite quel était l'angle de l'attaquant pour ne pas repasser dans le même angle, même s'il prenait des balles dans les yep, de prendre le temps tranquillement de voir si l'attaquant pushait pour pouvoir se heal, de mettre la tête à la fin. Non, franchement, ça mérite un bon 16,5 sur 20, ça, non ? Hein ? Moi je mets. Vous mettez 18, putain, vous êtes des monstres. 18 quand même pas, mais bon, 17, ok, moi j'ai mis 16,5, hein. On a un 16 là, 16, 17, 16, Et si vous n'êtes pas habitué, si vous ne le connaissez pas, eh bien nous sommes deux proviseurs, Mary et moi-même, proviseurs de la Salty Academy. Vous pouvez nous rejoindre tous les jours si vous voulez sur Discord, pour l'exclamation Discord, ou sur Twitter, pour l'exclamation Twitter, ou pour Instagram, Facebook, ok. Vous savez quoi pour la dernière ? Je vais aller sur Mary. Ok, ça vous dit ou pas ? On va voir ça. Moi ça, enfin, ce qui pourrait être la dernière, je l'espère pas pour les attaques. Artila, je savais même pas que ça s'appelait comme ça quoi. Artila. Putain la vache, ça fait une prise. T'envoies une impact là. Ah, et puis en plus t'as un sacré paquet de balles. Il sait pas où c'est. Il sait pas du tout où sont les spawn kills. Ah, parce que là y'a ça, mec. Voilà, prends plutôt cette ligne là. Oula, pré-shot, ok, pourquoi pas, pour faire peur. Si vous voulez voir, pas d'exclamation YT pour moi, Mary en live. Oh, le timing! Oh, le pauvre Mary. Y'a un mec qui vient juste de passer. Oh, le timing qu'il a pas eu, le pauvre. Pas mal ce qu'il vient de faire Arcos là. Ça envoie un gros message aux personnes qui auraient voulu planter dans le main. Oh, y'en a un dans le main en plus. Et Mary, c'est pas mal ce qu'il a fait aussi. Oh, ça fait mal son arme. Oh, dommage, et ça va pousser derrière. Allez, Mary, est-ce qu'il peut le faire, Mary? Ouais, mais non, le fusil a été pris, Mary. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais là la rotation par là alors que ça va planter avec une couverture derrière? C'est forcément en train de planter. En plus, t'avais pas pris l'information de ton setup défensif et tu savais pas qu'il y avait une cassole à cet endroit là. Et tu vas les laisser se barrer. BOUM!
Boum, le tap de Vimberi. Et derrière, peut-être la tête qui va passer. Oh, oh, oh. Et regarde s'il n'y a pas une clé morte. Il va peut-être pas la trouver. Oh, je serais mort de rire qu'il trouve pas la bombe. Et la bombe clé morte. Il est bon derrière. Ouf. Welcome to the Salty Academy. Attacker mission successful. Voilà. Fallait s'en douter venant de l'âme charitable Kemeri, grave. Bon bah 5-3 les gars, c'est pas fini. On va pouvoir prendre quelqu'un d'autre. Bon, mais Mary, en tout cas, on lui met 17 sur 20 quand même. Ah bah si. Franchement. Voilà quoi. On est un peu obligé quand même. On est un peu obligé de lui mettre un 17 sur 20, là, j'ai envie de te dire. Parce que c'est pas mal ce qu'il vient de faire quand même. Ouais. C'est rentré bizarre à voir. Et bim, Ninja Strike. Putain, il est chaud, Mary. Il est chaud. Et ils sont plus que 3 déjà. Ils sont plus que 3 les attaquants. Ils se font peiner le gland. La caméra. Il y a la caméra. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'ils le savent? Qui sait quoi? Oh, attention Galahan. Tu sais qu'il y a quelqu'un, visiblement tu l'as entendu. Mais non, il est à droite. Il est à droite. T'es mort Galahan. Eh ouais, et Pasco qui fait le kill, qui s'était fait oublier à cet endroit-là. Ah bah ouais, forcément. Bah non, mais s'il te plaît, please, quoi, de pas casser la caméra extérieure. Moins 10 de, pour toi, Galahan, là. Moins 10, t'es une IQ en plus, quoi. Et derrière, il ne reste plus qu'un attaquant. Et il est où l'attaquant? Bah, il se fait défoncer par. Et ça fait 6-3, cette fois-ci, c'est le GG, c'est le well played, c'est le GG well played. Oh, et on le respecte même pas, on va carrément sortir le chercher. Oh, elle est belle cette petite animation de mycose vaginale. Regardez, c'est beau. Mycose vaginale. Qu'est-ce qui se passe avec son. Qu'est-ce qui se passe avec son. Le drapeau. Il a laissé son drapeau derrière, le mec.